cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien sur à cartes sur table. Les citoyens de France sont donc prochainement appelés à voter les 15 et 22 mars pour renouveler les conseils municipaux et territoriaux qui œuvrent au quotidien pour améliorer ou préserver le cadre de vie, la sécurité et l'activité de tous les citoyens. Le vote, cette possibilité pour chacun d'y participer ou pas, est un droit fondamental, un choix de société, un des piliers de la démocratie française. Depuis longtemps, les Français d'origine arménienne ont bien compris l'importance de respecter la démocratie et le vote de leurs concitoyens. Ils s'engagent désormais pleinement dans la vie politique française, sur la base de leur sensibilité et de leurs convictions, pour demander la confiance des autres citoyens. Cela ne les empêche pas d'être fiers de leurs origines et globalement de s'entendre sur l'amitié franco-arménienne, la lutte contre le négationnisme du génocide des Arméniens, le respect des droits du peuple d'Artsakh. Dans certaines villes, ils peuvent parfois se retrouver fermement opposés, mais jamais ennemis, car tous respectent la République française et la démocratie. C'est en cela que l'on parle d'intégration réussie. Les Français d'origine arménienne sont aussi fidèles et n'ont pas la mémoire courte. Ils n'oublient pas jamais celles et ceux, dont leur mère, qui se sont engagés à leur côté, notamment lorsqu'il s'agit de signer des chartes d'amitié avec l'Artsakh. Peu importe que leur nom ne se termine pas en « iant », ils sont porteurs d'autres valeurs, comme l'engagement républicain et l'humanisme. Il convient de les distinguer de ceux qui, notamment dans les extrêmes, d'élection en élection, promettent plus et toujours plus pour flatter la communauté arménienne et dont les élus ne votent aucune motion en faveur de la cause arménienne. À l'opposé, la Turquie, et peut-être bientôt l'Azerbaïdjan, reste dans une vision communautariste, où les citoyens d'origine turque sont avant tout des agents de la promotion d'une vision turque, négationniste, belliqueuse de la société française. Ils veulent le partage et la division du peuple français en communautés, et constituent donc des listes communautaristes, qui n'ont de citoyennes que le nom. Dans certains cas, comme à Saint-Priest dans le Rhône, avec Izette Doganel, LREM tendance colon, ou à Paris avec Rachida Dati, les Républicains, ces citoyens arrivent à infiltrer des listes soutenues par des partis nationaux, et à cela, la réponse doit être aussi républicaine et le barrage sans concession. Il n'y a ni parti pris politique, ni communautarisme dans cette position, mais le simple respect des règles républicaines qui veut que l'élu se conforme aux lois de la République et au calendrier républicain, et notamment à la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens du 24 avril, instaurée l'année dernière par le président de la République Emmanuel Macron. Le président de la République qui, justement, avait annoncé il y a un mois des mesures pour lutter contre le communautarisme, notamment turc. On peut regretter que ces mesures n'aillent pas jusqu'à lutter contre ces listes communautaires aux élections qui, même si pour l'instant elles ne recueillent pas suffisamment de voix, viennent saper les fondements de la démocratie française. De tout cela, nous en parlons ce matin avec nos invités, Arat Oranian et Mourad Papazian, les coprésidents du CCF, qui viennent de signer une tribune retentissante dans Marianne sur Rachida Dati, après avoir écrit à Gérard Collomb pour M. Doganel, Jules Boyadjan, président du CDCA, qui cette semaine a indiqué les candidats qu'il soutenait, Sacha Vété, président de la FRA Nour Sellun, qui mène depuis plusieurs semaines une campagne contre la présence de négationnistes lors des municipales. Nous aurons aussi des maires et des candidats qui ont reçu des soutiens des organisations arméniennes, comme François Pouponi à Sarcelles, Luc Carvounas à Alfortville, Laurent Fautra à Décines, Guy Tessier et Valérie Boyer à Marseille, Nicolas D'Aragon à Valence. Nous aurons aussi des amis et candidats, parmi beaucoup, beaucoup d'autres de tous bords qui se sont engagés dans cette campagne au service de leurs concitoyens, comme Georges Kepenekian à Lyon, Anouche Agopian à Grenoble, Armen Papazian à Livry-Gargan. Nous ne serons forcément pas exhaustifs dans le temps qui nous est imparti, mais nous essaierons de vous livrer les clés de ce scrutin. Messieurs, bonjour. Alors, nous allons commencer cette émission par l'actualité, et en l'occurrence la candidature de Rachida Dati à Paris. Nous avons donc en ligne Arat Oranian et Mourad Papazian qui viennent de publier avec Patrick Karam une tribune dans Marianne qui dénonce les liens de Rachida Dati avec la dictature azérie. Messieurs les coprésidents du CCF, bonjour. Bonjour Harout. Puisque j'ai que Mourad Papazian actuellement, on va commencer avec vous. Arat Oranian va nous rejoindre très bientôt. Quelles seraient pour vous les conséquences d'une victoire de Rachida Dati à Paris ? Écoutez, d'abord, je voudrais souligner le fait que la candidature de Rachida Dati se renforce de jour en jour, puisqu'on voit bien qu'elle est aujourd'hui en tête dans tous les sondages et qu'une dynamique de premier tour est en train de s'instaurer, et que si la dynamique de premier tour effectivement se renforce,
il peut y avoir des alliances au second tour qui portent Rachida Dati à la maire de Paris. Pour nous, effectivement, ce serait extrêmement préjudiciable entre Anne Hidalgo, qui est actuellement maire de Paris, avec des positions pro-arméniennes, avec un engagement fidèle auprès des Français d'origine arménienne dans la cause que nous défendons. Nous aurons en échange Rachida Dati, la première supportrice de l'Azerbaïdjan en France, un des principaux relais du pouvoir de Bakou, qui est le principal ennemi aujourd'hui des Arméniens du Haramar. Voilà, et c'est un relais très très actif. On a effectivement signé avec Ara Toranian et Patrick Karam une tribune très explicite, très documentée, preuve à l'appui sur les engagements de Rachida Dati envers la dictature de l'Azerbaïdjan. Nous allons continuer à diffuser cette tribune. Et oui, alors pour nous, ce serait un revers extraordinaire et nous reculerons terriblement à Paris, qui est la capitale de la France. On ne veut pas l'imaginer. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que Rachida Dati ne soit pas élue maire de Paris. Et je lance un appel, parce qu'il y en a, évidemment, ils ont le droit, à tous les électeurs d'origine arménienne qui votent à droite à Paris, il ne faut pas voter Rachida Dati, parce que si vous votez pour Rachida Dati, eh bien, on se tire une balle contre nous-mêmes. Ara Toranian, merci de nous avoir rejoints. Un peu la même question, est-ce qu'il y a des risques pour la cause arménienne d'une victoire de Rachida Dati à Paris? Ah oui, il y a des risques, évidemment, surtout dans les conditions actuelles. Nous avons, je n'ai pas écouté ce qu'a dit Mourad Papazian, donc excusez-moi, il y a des redites, mais on a interpellé Rachida Dati de manière privée à plusieurs reprises par des intermédiaires pour lui demander de s'engager publiquement sur un certain nombre de questions sur lesquelles elle ne s'est pas jusqu'à présent manifestée. En particulier, on ne l'a jamais vue à aucune cérémonie du génocide arménien. Et puis, on n'a jamais entendu s'exprimer sur ce sujet, ce qui est quand même rare pour une personnalité politique de ce niveau. Et puis, il y a ces liens affichés depuis 10 ans avec la dictature de Bakou, avec l'Azerbaïdjan, assortis d'une série de votes au Parlement européen hostiles aux Arméniens, hostiles à la République du Haut-Karabakh. Et puis, au moment de la guerre des 4 jours, la signature d'une tribune publiée dans la presse avec M. Jean-François Mancel, Mme Nathalie Goulet, où elle prenait, juste après la guerre, fait et cause pour l'Azerbaïdjan. Donc il est clair que Mme Dati a choisi son camp, malgré nos interpellations privées et maintenant publiques depuis mercredi dernier avec la tribune que nous avons publiée dans Marianne. Nous n'avons pas entendu qu'elle ait effectué les mises au point et qu'elle a essayé de nous rassurer d'une quelconque manière sur les questions que nous avons posées. Donc il y a un danger, en effet, il y a une inquiétude. Mais la semaine n'est pas finie, il reste encore quelques jours. Et on a bon espoir, en tous les cas on attend, on espère, que Mme Dati va prendre conscience de la situation et comprendre que sa candidature constitue une source d'inquiétude vraiment politique pour non seulement les Parisiens, mais pour les 500 000 Français d'origine arménienne, parce que Paris est aussi une ville qui a un statut quasiment diplomatique, puisque Paris est une capitale mondiale. Pourquoi, malgré justement tout ce que vous venez de dire, malgré l'émission Cash Investigation, malgré les articles de presse qui depuis longtemps montrent que Rachida Dati a des liens particuliers avec l'Azerbaïdjan et cette dictature, comment Rachida Dati peut encore avoir du crédit au sein du Parti des Républicains? Comment a-t-elle pu obtenir cette investiture? Bon, il ne vous a pas échappé qu'au sein du Parti Républicain, il y a un gros problème de leadership actuellement. Personne ne se dégage et il faut reconnaître à Mme Dati des qualités d'animal politique, je dirais. C'est quelqu'un qui est performant, qui est convaincant, qui est une femme, qui est quelqu'un qui est issu de la diversité. Donc elle rassemble un certain nombre d'atouts et on a vu d'ailleurs qu'elle a commencé à percer, plus que percer d'ailleurs, puisqu'elle arrive aujourd'hui quasiment en tête, ou en tous les cas à égalité avec la maire de Paris sortante, Mme Hidalgo, dans les sondages en ce qui concerne du moins le premier tour.
Donc c'est quelqu'un qui est effectivement performant, et puis pour une droite qui est en panne de leader et qui est en soif et en appétit de reconstruction, évidemment Rachida Dati aujourd'hui constitue un pôle d'espoir, ce qui est extrêmement inquiétant pour nous. Cela dit, comme je ne sais pas si Mourad Atazir en a parlé, mais on reste pas les bras ballants face à cette situation. Et il faut souligner que notre tribune a été également signée par Patrick Karam, membre éminent des Républicains, vice-président de la région. Il ne l'a pas signé à ce titre, mais il a ses qualités. Alors, vous me tendez la perche à la Toragnan. Mourad Papazian, dans cette tribune, donc Patrick Karam co-signe cette tribune. On a vu que dans les jours qui suivent, des pressions ont été organisées contre lui. Et depuis l'apparition de cette tribune, donc des pressions essayent d'être organisées. Il y a des messages qui remontent, en tous les cas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette pression pour demander aux Arméniens de mettre un peu la pédale douce? Je voudrais juste vous confirmer ce qui est public. Comme vous le savez, l'épouse de Patrick Karam se présente dans le 16e arrondissement sur la liste de Spinner, donc qui est la liste officielle soutenue par Rachida Dati, ce qui pose un problème évident puisque elle s'est désolidarisée de la tribune qui a été signée par son mari. On peut imaginer effectivement que des pressions ont été exercées par Rachida Dati elle-même justement pour obtenir cette déclaration de l'épouse de Patrick Karam. C'est un combat extrêmement difficile qui va se jouer à Paris pour les municipales. Tout est vraiment possible aujourd'hui. Rachida Dati peut être élue maire de Paris à l'issue du deuxième tour de l'élection municipale, et on mesurera à ce moment-là quelles seront les conséquences pour nous. Donc il vaut mieux prendre les devants. Effectivement, nous avons décidé de renforcer notre communication sur ce sujet-là, parce que on n'en a pas parlé, mais je crois qu'on n'a pas besoin de convaincre les Français d'origine arménienne qui votent généralement à droite de ne pas voter pour Rachida Dati. Elle a organisé le village de l'Azerbaïdjan en 2016, elle a organisé un grand dîner à Paris, au musée Rodin, pour soutenir les époux Aliyev en 2011. Elle était membre de l'association des amis de l'Azerbaïdjan. Comme l'a souligné Ara, elle a toujours voté au Parlement européen en faveur de l'Azerbaïdjan. Elle a encore là, en 2020, félicité l'élection des Aliyev. Elle a fait des déclarations comme quoi que l'Azerbaïdjan était la seule démocratie dans la région. C'est une catastrophe pour nous, sachant que pour nous, la priorité des priorités, c'est effectivement la question du Haut-Karabakh et la survie des Arméniens du Haut-Karabakh, la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh. Donc on aura comme maire de Paris, si toutefois elle devait être élue, une ennemie de notre cause. Vraiment, vraiment, il n'y a pas d'autre personnalité aussi opposée à nous que Rachida Dati aujourd'hui. Et d'ailleurs, si elle ne commente pas la lettre que nous avons fait publier dans Marianne, c'est qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle n'a rien à y opposer en vérité. Et donc je ne dramatise pas. La réalité, c'est que demain, si Rachida Dati est élue maire de Paris, on est dans une défaite extraordinaire. Alors, pour appuyer un petit peu là-dessus, et pour revenir sur l'histoire sur la violence quand même qui marque cette campagne en ce qui concerne en tout cas Patrick Karam. Il faut souligner que le tweet qui a été rendu public par son épouse a suscité un autre tweet d'encouragement, un message, un merci à Samia Karam de la part de Rachida Dati. On est dans une situation où une candidate encourage une épouse à dénoncer sur la place publique le positionnement politique de son mari. Ça rappelle un petit peu, toute proportion gardée, mais quand même, les procédés de l'époque soviétique ou dictatoriale, où on voit des épouses dénoncer leur mari, ou des enfants dénoncer leurs parents, sous les encouragements et sous les applaudissements des bénéficiaires de ce type d'opération. Moi, je trouve que c'est vraiment choquant.
Alors, j'ai sur le plateau Jules Boyadjan et Sacha Vété. Jules avait une petite réaction. Non, mais tout ce qui a été dit sur la candidature de Rachida Dati ne fait aucun doute. Moi, j'aimerais également qu'on insiste sur le bilan d'Anne Hidalgo, puisque nous allons, d'une certaine manière, si Rachida Dati devient maire de Paris, nous avons une défaite au carré, d'une certaine manière, parce que Anne Hidalgo a un bilan qui est extrêmement clair en faveur de la question arménienne. Elle a été extrêmement investie durant ses années de mandat. Moi, je l'ai vue. On pourra toujours dire qu'il y avait une démarche électoraliste dont je doute furieusement. Mais lorsqu'elle était avec nous lors de la visite du président Hollande en 2015 pour le centenaire du génocide arménien, où elle n'était pas du tout mise dans la lumière, en aucune manière on était dans une stratégie électoraliste. Il y a une vraie loyauté, une vraie fidélité, une vraie amitié de la cause arménienne pour Anne Hidalgo, dont ses racines vont aussi dans l'Est lyonnais et vers Décines, où elle a grandi avec les Français d'origine arménienne. Son travail, je vais pas me faire l'écho du bilan de son activité, encore que l'activité pour le génocide arménien, pour Toumo, pour valoriser l'Arménie, pour valoriser ce qu'il y a de meilleur parmi l'Arménie, c'est-à-dire sa capacité à créer une pédagogie pour les jeunes. C'est-à-dire que on a une maire de Paris qui, quand elle fait un livre pour se représenter, elle parle pendant une quinzaine de pages de l'appui de ce qu'elle a découvert en Arménie, de ce qu'elle a ramené en France. Elle dit « Je ne serai pas Anne Hidalgo si je ne parlerai pas de Toumo », mais c'est vrai, elle parle de Toumo régulièrement, son amour de la communauté arménienne, son travail pour la reconnaissance du génocide arménien. Et moi, j'ai envie de dire, évidemment, tout ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord avec les deux coprésidents sur la menace que constitue Rachida Dati. J'ai aussi envie de dire aux Français d'origine arménienne que une élection municipale, c'est aussi une élection qui n'a pas la même envergure qu'une envergure nationale, et qui les convictions jouent un rôle un petit peu différent, et on peut avoir une sympathie plus particulière en fonction de la qualité du candidat. Et j'ai envie de dire aux Français d'origine arménienne d'y aller sans état d'âme de ce point de vue-là, parce que ils auront une mère qui sera une alliée fidèle, loyale et de cœur avec la communauté arménienne. Et je pense que c'est important de le souligner. Sacha Vété, vous avez organisé des manifestations contre Rachida Dati, que ce soit sur les réseaux sociaux avec la FR Nolselund ou même directement lors d'un café campagne, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que vous continuez à vous pensez continuer à mobiliser cette semaine encore? Tout à fait. Dans un premier temps, on essaye de mobiliser donc les jeunes et les moins jeunes sur les réseaux sociaux. Commentant et en dénonçant la vérité sous les Facebook Live, sous les vidéos, sous les posts de Rachida Dati, en essayant de ramener les électeurs à la réalité, ce qui a été dit précédemment par les coprésidents du CCF et par Jules. En plus de ça, effectivement, on a organisé c'était pas une action spécifique, mais on est allé interpeller Madame Dati dans le 15e arrondissement, alors qu'elle présentait sa tête de liste Agnès Evren dans le 15e arrondissement. On distribue des tracts, on continue à distribuer des tracts pour sensibiliser les Français et les Arméniens de France. Donc ça va continuer encore la semaine prochaine? Ça continuera encore cette semaine, effectivement. Messieurs les coprésidents, alors peut-être Arat Oranian d'abord, vous êtes investi lors de cette campagne électorale, parce que au-delà du cas de Rachida Dati, vous avez également écrit à Gérard Collomb et à Stanislas Guérini pour parler du cas de Izet Doganel à Saint-Priest. Est-ce que vous craignez la présence de plus en plus au cours des prochaines élections de candidats négationnistes ou ouvertement pro-turcs? Arat Oranian, pardon. On est aujourd'hui confronté clairement à ce défi à travers un certain nombre de candidatures, dont des têtes de liste. Et je pense en particulier à M. Mehmet Selan à Créteil, qui est la tête de liste de La République En Marche et qui refuse de se positionner sur la question du génocide arménien, de sa reconnaissance, au motif qu'il est français. Donc c'est très caractéristique, enfin, il s'agit là en réalité bien entendu d'une pirouette et d'un subterfuge, puisque nous-mêmes, quand nous posons la question à des candidats d'origine turque, nous les posons évidemment en tant que Français et dans un cadre on ne peut plus républicain. Quand on se présente devant des électeurs, la moindre des choses,
censée afficher un minimum de transparence. Or, malheureusement, on sait que l'immigration turque est exposée, comme l'ensemble du peuple turc en Turquie, à une propagande négationniste d'État qui, évidemment, conditionne sa vision sur le génocide de 1915. Donc, dès lors, il n'est pas ici question de français ou de pas français, il s'agit d'un crime contre l'humanité, et on est parfaitement fondé à interpeller les personnes qui sont exposées, en particulier d'une manière très privilégiée à cette propagande, sur ce qu'ils pensent de cette question. Et je dirais même que la moindre des choses, quand on endosse cette histoire, et quand on est issu de cette histoire de la Turquie, comme nous-mêmes on est issu de l'histoire du génocide des Arméniens, et qu'on se présente devant des électeurs, dont certains sont d'origine arménienne, la moindre décence, puisqu'on a invoqué la décence, serait de s'expliquer, de dire des choses, de rassurer sur sa position, comme beaucoup de Turcs le font aujourd'hui, en particulier dans l'intelligentsia. La réaction de M. Mehmet Ceylan est vraiment condamnable, et d'ailleurs nous l'avons dénoncé, je parle de ce monsieur qui est accrédité. En ce qui concerne, effectivement, on a d'autres cas à Valence et ailleurs de négationnistes qui sont sur des listes électorales, pas forcément en tête de liste comme c'est le cas à Créteil, mais c'est inquiétant et ça répond bien à la directive de M. Erdogan, à plusieurs reprises dans des meetings à Cologne ou ailleurs, qui ont été aussi repris à Ankara, des propos où il invite la diaspora turque et les représentants de l'immigration turque, en particulier les membres du COGEP, d'être des ambassadeurs de la Turquie et de la politique de la Turquie là où ils sont. Compte tenu que la Turquie, on le voit aujourd'hui sur le flanc oriental de l'Europe, est toujours dans une perspective de conquête par rapport à l'Europe et de pénétration politique de l'Europe, on est en droit de s'inquiéter et on est en droit de faire barrage, en particulier sur un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres et qui sont relatives à un crime contre l'humanité qui est le fondement de notre histoire, nous, Français d'origine arménienne. Alors, Mourad Papazian, je vous laisse juste une petite phrase parce que nous avons Laurence Fautra, la maire de Décines, en ligne et auquel vous avez apporté également un soutien et qui pourra nous parler de la situation sur la région lyonnaise. Mais donc vous vous appelez clairement, comme à Ratoranian, c'est normal parce que le CCAF appelle à faire barrage à tous les candidats négationnistes. C'est évident et d'ailleurs comme je l'ai rappelé dans mon discours au dîner du CCAF, en fait le travail d'Erdogan qui a été mené depuis des années, commence à payer aujourd'hui. Il a appelé effectivement la diaspora turque à la politisation, il a appelé chacun des citoyens turcs à s'engager dans les organisations politiques, étudiantes, syndicales, pour être des ambassadeurs de la Turquie en France. Aujourd'hui, malheureusement, sous la direction du gouvernement turc et de son président, eh bien, les Turcs de France ne sont pas français, ils les encouragent à être turcs à la solde d'un État. Moi, je voudrais également souligner que nous n'arrivons pas à avoir de réaction d'Agnès Evren, qui est la patronne des Républicains à Paris. Elle refuse de s'exprimer sur cette question-là du génocide arménien et sur la question de l'Azerbaïdjan. C'est vraiment très, très dommageable et nous sommes extrêmement inquiets et nous renforçons notre soutien à tous les candidats évidemment, qui sont engagés en faveur de la cause arménienne, en faveur de la reconnaissance et de la pénalisation de la négation du génocide arménien, en faveur de l'Artsakh. Et puisque Laurence Fautra est en ligne, je ne sais pas si elle m'entend, mais je voudrais lui transmettre tout notre soutien et toute notre affection, parce que je sais qu'elle a été attaquée, insultée dans les jours qui ont précédé, et elle bénéficie de tout notre soutien. Eh bien, elle vous entend parfaitement. Laurence Fautra. Soutien partagé de la part d'Arat Oranian, bien entendu. Bien entendu, Ara, bien entendu. Laurence Fautra, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, merci, c'est Papazian. Merci au co-président de nous avoir éclairé sur cette première partie. Laurence Fautra, vous êtes la maire de Décines. Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour, Ara. Bonjour, Mourad. Merci pour votre soutien. Merci, ça fait chaud au cœur. Effectivement, j'ai été attaquée par un tract indigne, ignoble, ordurier. Il n'y a pas de mots. Parce que en plus de ça, dans cette liste, il y a des personnes d'origine
arménienne, française d'origine arménienne. Il y a des choses quand même qui nous échappent dans cette société et je ne peux que le déplorer. Voilà. Comment peut-on cautionner la haine? C'est compliqué avec ce que vous avez vécu, voilà, et avec bien d'autres peuples qui ont vécu des choses aussi terribles qu'un génocide. Donc, votre soutien me va droit au cœur. Je suis républicaine, fière de l'être, mais surtout engagée à vos côtés, et ça, vous le savez, et vous pourrez compter sur moi, en tout cas, tant que je serai en exercice, ça, c'est sûr. Donc, alors, merci, merci encore. Merci à vous. Laurence Fautra, donc vous avez obtenu le soutien d'organisations arméniennes comme le CDC, on vient d'entendre du CCAF, et puis vous avez sur votre liste un certain nombre de Français d'origine arménienne. Comment jugez-vous oui. l'engagement politique de ces Français d'origine arménienne, au-delà même des candidats sur votre liste, de l'implication des Français d'origine arménienne dans la vie locale de Décines? Nous, vous savez, Décines, c'est une mosaïque. Alors, on a des Français d'origine, comme moi, italienne, on a des Français d'origine portugaise, on a évidemment des Français d'origine arménienne. Et cette mosaïque constitue, en fin de compte, notre ville depuis tant d'années. Elle apporte... Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Elle apporte sa richesse. Et c'est normal, au bout de tant d'années, tous ensemble, pour œuvrer pour une commune, c'est normal que tout le monde soit représenté. Mais au-delà de notre appartenance à un peuple, c'est surtout notre appartenance à une commune et au fait de se sentir aussi fier d'être français et fier d'être décinois. Voilà, on a dépassé toutes ces frontières, mais les personnes qui sont d'origine arménienne, sont impliquées au quotidien dans différents domaines qui sont la politique de la ville, l'éducation, enfin voilà quoi. Je ne fais pas de distinguo entre les origines. Moi, je suis amère, je prends les compétences et au service d'un projet et d'une ambition pour un territoire. Voilà, c'est surtout ça. Alors j'ai Jules Boyadjan, le président du CDSA, qui est sur le plateau, qui voudrait s'adresser oui, à vous. Oui, bonjour Jules. Bonjour, bonjour cher Laurence Fautra. Moi j'aimerais dire plusieurs choses. La première, c'est que dans le communiqué du CDSA, nous avons oui. rappelé quelque chose d'extrêmement clair. Oui. Nous n'avons évidemment, tout le monde a ses convictions, on a le droit de vivre ses origines de la manière dont chacun le souhaite. Mais il y a une ligne rouge qui est une ligne rouge très claire, qui pour nous est une trahison sans ambiguïté à la cause arménienne, c'est le soutien à l'extrême droite qui est totalement incompatible avec l'histoire des Arméniens. Et évidemment, je visais, non pas vous évidemment, mais évidemment la ville de Décines, puisque vous avez évoqué un tract qui vous visait, qui était absolument ignominieux venant d'une liste d'extrême droite, et je veux le condamner avec la plus grande fermeté, violence. Oui. Je voulais également vous interroger sur votre soutien par rapport à l'Artsar, au Haut-Karabakh, à la charte d'amitié que vous avez signée. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelques mots sur où on en est par rapport à ce contentieux administratif, et puis quelle a été votre démarche durant ce mandat? Je vais être très sincère avec vous, votre investissement nous a énormément touchés parce que c'est une cause qui est encore peu connue. Le génocide arménien est assez diffusé, cette question-là est moins connue. Et je voulais un petit peu avoir votre sentiment par rapport à votre investissement au cours de votre mandat sur cette question-là, Madame Fautra. Alors, l'Artsar, pour moi, c'est une rencontre. Vous savez, quand vous êtes maire de la petite Arménie, alors Valence dit que c'est la petite Arménie, Marseille aussi, mais bon, Décines, quand je suis arrivée, c'était la petite Arménie. C'est vrai que beaucoup d'Arméniens m'ont accueilli quand je me suis installée dans cette ville. Et donc, vous embrassez automatiquement la cause, il n'y a même pas à réfléchir. Et puis, c'est avec Denis Djorkaeff, il m'a dit, Laurence, il faut qu'on aille en Artsar. Et je lui ai dit, ok, moi je veux bien, mais moi je ne vais pas faire quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Et Monsieur Nicolas Sarkissos, à l'époque, m'a proposé de faire un déplacement privé en Artsar. Et là, effectivement, quand je suis arrivée à Stepanakert et que j'ai rencontré Monsieur le Président, Bako et toute son équipe, quand j'ai vu ce pays, quand j'ai vu ce peuple, voilà, c'était une évidence. Et là, j'ai dit, ok, je serai à vos côtés pour défendre votre reconnaissance et surtout faire en sorte que le monde entende ce que fait l'Azerbaïdjan, pardon, et son dictateur, Monsieur Aliyev, au niveau de vos frontières. Et voilà, ce territoire appartient, leur appartient, c'est leur État. Et voilà. Et donc, du coup, je suis rentrée dans toute cette chaîne de mer, hein, de tous bords, hein, il faut le rappeler, hein, de toute étiquette, au-delà des clivages. Et donc, j'ai... Allô?
Laurence Fautra. Oui, moi, ce que je voudrais dire pour auprès des auditeurs, des auditrices, c'est que les maires qui se sont engagés sur la question de l'Artsar prennent le risque de contentieux administratif qui peut aller sur l'inéligibilité, jusqu'à l'inéligibilité. Donc moi, je veux insister sur l'implication de ces maires qui vont au contentieux, qui font appel, qui prennent tous les risques parce qu'ils sont allés en Artsar, qu'ils comprennent que cette cause est une cause juste, qu'elle est légitime, qu'il est insupportable pour eux de leur retirer le droit d'être amis avec une collectivité, parce qu'en fait l'amitié c'est un sentiment qui ne se discute pas. Et c'est vrai, je veux le dire, le comité de défense de la cause arménienne, qui a dit il y a 2 ans qu'il serait extrêmement attentif à cette question, a obtenu des avancées, puisque le président de la République s'est engagé à ce que les collectivités, on trouve le véhicule juridique permettant aux collectivités de vouloir s'investir pour l'Artsar, pour des projets culturels et humanitaires, de le faire. Et on n'aurait pas pu le faire sans l'engagement des maires qui sont investis pour l'Artsar. Et c'est la raison pour laquelle la loyauté, ça va dans les deux sens. On ne peut pas demander à certains élus d'être avec nous dans nos combats et de ne pas être auprès d'eux lorsqu'ils sont dans les leurs. Et c'est un peu le message du CDCA. Alors, on a perdu Laurence Fautra, mais nous avons actuellement François Pouponi, qui est également un des signataires des chartes d'amitié à Sarcelles. François Pouponi, bonjour. Bonjour. Alors, même question un peu, vous venez d'obtenir le soutien d'organisations arméniennes comme le CDCA du fait de votre engagement de longue date en faveur de la cause arménienne. Quelle est votre réaction ? Bah, écoutez, d'abord, ça fait plaisir parce qu'effectivement, voilà, nous, on s'est beaucoup investi, on l'a fait parce qu'on croit à ce combat. Et puis, c'est vrai que voilà, la communauté arménienne a été reconnaissante et elle fait les choix qui sont importants. Parce que je crois qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais voulu signer ces chartes, il y a d'autres qui ont soutenu le gouvernement qui, sur ce sujet-là, n'a pas été au rendez-vous. Alors j'espère, et ça a été dit par le prédécesseur, que les choses vont s'améliorer. J'étais au repas lorsque le président de la République a dit qu'effectivement, on devrait trouver maintenant le moyen juridique de valider ces chartes. J'avais personnellement d'ailleurs déposé un amendement pour pouvoir les légaliser. Voilà, mais en tout cas, nous, on est nombreux à se battre et à faire en sorte de se battre pour l'Artsar, c'est important, mais aussi quelque part pour la France. Que la France ne soit pas au rendez-vous soutien, en particulier éducatif, humanitaire, pour un pays comme la Sarre, c'est tout simplement inimaginable. François Pouponi, vous venez de publier un livre justement sur les dangers du communautarisme. Est-ce que vous comprenez qu'au-delà des questions locales, de propreté, de sécurité, d'environnement, la communauté arménienne soit aussi vigilante pour éviter la présence de listes communautaristes, de listes portant des candidats négationnistes dans ces élections municipales ? C'est évident. Surtout qu'on voit bien que depuis maintenant quelques années, moi j'ai été quelque part la victime, les réseaux turcs sont très actifs dans un certain nombre de quartiers et essayent d'être présents. À la législative, j'avais contre moi une femme qui avait été présentée par le parti d'Erdogan. Et c'est pas un hasard, hein. Je crois que les réseaux turcs sont actifs dans les circonscriptions, dans les villes, où il y a justement des communautés arméniennes, où ça peut être des communautés chaldéennes, qui défendent la lutte contre le régime d'Erdogan, mais qui aussi se battent pour la reconnaissance et la pénalisation du génocide. Et donc on voit bien, moi je vois bien, comment dans ces circonscriptions-là, les réseaux turcs sont en train depuis de nombreuses années de s'implanter pour justement contrecarrer la présence de ces communautés et ce combat pour la reconnaissance et la pénalisation de la négation. Donc il y a vraiment une stratégie qui est derrière, et bien entendu que la communauté arménienne doit être extrêmement vigilante et extrêmement active. Alors j'ai Jules Boyadjan, sur le président du CDCA, sur le plateau, qui voulait s'adresser à vous. Bonjour cher François Pouponi, nous étions ensemble à Martakert au mois d'octobre, ville qui est jumelée avec la ville de Sarcelles, et vous êtes venu apporter le soutien de la collectivité par le truchement de l'association des Arméniens de Sarcelles, pour la création d'un centre, d'un laboratoire de mathématiques pour des jeunes de 12-13 ans. Moi, j'étais présent lorsque on a inauguré ce moment, lorsque vous l'avez inauguré, Monsieur Pouponi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que c'était un moment chargé d'émotion? Oui, chargé d'émotion, et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt des chartes. Voilà. Marfaker, c'est une des villes qui est une des plus proches de la ligne de front. Hein. L'école dans laquelle nous étions, lorsqu'il y a eu des bombardements, toutes les vitres avaient été détruites, et cassées. Et on voit bien, en plus, l'école n'est pas dans une bonne situation. On l'a vu. Et donc, ces communes, ces populations, ces enfants ont besoin de l'aide internationale. Et donc, nous, on a offert des ordinateurs, en 3D d'ailleurs, et j'étais assez impressionné parce que je suis pas sûr que dans les écoles françaises, il y ait des ordinateurs comme cela. Donc, et puis, de voir comment ces enfants se servaient de ces ordinateurs, c'est exceptionnel. Après, on voit qu'il faut aller au-delà. Ils nous ont demandé aussi des aides très simples,
pour s'occuper un peu de la ville, essayer de rénover l'école, ce qu'on va essayer de faire dans la mesure du possible si on peut continuer à financer ces chartes, parce qu'il y a un problème de financement. Mais voilà, oui, c'est indispensable. C'était à la fois très émouvant, très impressionnant de voir ces enfants s'impliquer dans ce domaine-là, et puis on voit qu'il faut aller plus loin et qu'il faut redoubler d'efforts pour aider l'AXA. En tout état de cause, Monsieur Pupponi, je voulais vraiment, au nom du CDCA, vous exprimer tout mon soutien pour les échanges qui s'ouvrent à vous. Avez-vous choisi ce que vous allez faire entre maire de Sarcelles et député du Val-d'Oise, si jamais vous êtes élu? Moi, écoutez, j'ai décidé de rester à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'effectivement, il faut que continuer certains combats. Alors, je suis sur une liste, je fais en sorte que cette liste puisse gagner, qu'elle continue bien sûr dans le domaine qui est le nôtre depuis tant d'années, mais je pense qu'il faut aussi mener un combat à l'Assemblée nationale. Moi, je veux pouvoir terminer le travail qui était le nôtre avec d'autres, avec René Roux, avec d'autres, sur non seulement la reconnaissance du génocide, mais arriver un jour à ce que la pénalisation de l'égalisation soit effective dans le droit français et que les chartes soient officiellement légales. Ça, c'est le combat, parce qu'il y en a d'autres, mais celui-là, il me tient particulièrement à terre, et je crois que malheureusement, aujourd'hui, et je le constate à l'Assemblée nationale, quand je suis rentré en 2007, il y avait de nombreux défenseurs de la cause arménienne et qui étaient capables d'aller au-delà. C'était pas évident de se battre à l'époque, y compris contre les gouvernements que nous soutenions nous-mêmes. Là, je constate quand même que, bon, on a connu le problème du groupe d'amitié France-Arménie, qu'aujourd'hui, malheureusement, on manque de députés qui connaissent vraiment le sujet et qui sont capables de prendre leurs responsabilités. Donc, on est encore quelques-uns à devoir le faire, et je pense que mon rôle est de continuer ce travail-là. Une fois qu'il sera terminé, on verra bien ce que je ferai, mais c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Ben, écoutez, merci encore François Pupponi, merci de votre engagement, et vous avez effectivement tout notre soutien dans ce combat. Merci à vous, merci à vous pour ce soutien, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va passer du Val d'Oise à la Seine-Saint-Denis. Nous avons en ligne Armen Papazian. Armen Papazian, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes tête de liste sur Livry-Gargan, pour la liste socialiste et Parti républicain. Parti radical de gauche. Parti radical de gauche, pardon. Quels sont les enjeux de cette campagne dans votre ville? Un des enjeux de notre campagne, enfin de notre campagne de ces élections, c'est un peu le problème que rencontrent beaucoup de villes en région parisienne, c'est la construction, les constructions, la densification. Donc, alors je ne sais pas si c'est le syndrome ou le phénomène Grand Paris, donc faut construire, et on construit un peu n'importe comment, sans avoir forcément les structures et les équipements publics qui vont avec. Donc nous, on souhaite construire, parce qu'il y a une crise du logement, donc il faut répondre à la demande. Maintenant, il faut construire intelligemment, il faut que ces constructions s'accompagnent d'équipements publics, à commencer par les écoles, et c'est pas ce que fait l'équipe sortante depuis 6 ans. Donc ça, c'est un des premiers points. Après, il y a tout ce qui va avec, hein, développer l'offre pour la petite enfance, des services auprès des associations, de nos aînés, donc il y a beaucoup de choses à faire. On le voit, vous êtes désormais au service de tous vos concitoyens. Quel regard porte-t-il sur votre parcours, sur le rôle joué par les Français d'origine arménienne en France et dans la vie politique? Ils nous accompagnent. On a perdu la ville de Livry-Gargan il y a 6 ans. On a décidé que je serai le candidat des socialistes et du Parti radical de gauche. Je suis conseiller municipal depuis 2001. Allô? Oui. Oui, on Allô? Vous entend. Oui. J'ai un nom, j'ai un parcours, j'ai une action. Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Donc j'ai un parcours, j'ai un bilan sur les précédents mandats que j'ai fait en tant que conseiller municipal. Donc je pense que je suis connu et que les gens apprécient mon action et l'action des collègues qui étaient les miens quand on était conseiller municipal, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et aujourd'hui, la liste qui est que j'ai l'honneur de mener est assez représentative des concitoyens de Livry-Gargan. Est-ce que l'engagement militant qui a été le vôtre durant de nombreuses années, vous avez été militant de la FR Nocelon, dont j'ai Sacha Vété ici présent, vous étiez militant du CDCA, dont j'ai Jules Boyadjian qui est également sur le plateau, est utile dans le combat politique?
c'est très formateur. J'ai appris beaucoup quand j'étais bien jeune au Nord-Sélonte. Hein, j'ai adhéré au Nord-Sélonte en 1988, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, j'ai été au CDCA dans les années 98, à l'époque où il y avait la reconnaissance pour le génocide arménien à l'Assemblée nationale, au Parlement, et j'y ai appris beaucoup, et c'est aussi ça a forgé un peu ma volonté de servir et d'être utile au plus grand nombre et pas seulement aux Français d'origine arménienne. Alors j'ai justement Sacha VT, le président du Nord-Sélonte, qui souhaiterait vous dire quelques mots. Juste bonjour Monsieur Papazian, juste quelques bonjour, mots pour vous dire que nous jeunes militants, de voir des personnes engagées comme vous, des personnes qui ont été engagées pour la cause arménienne, qui sont engagées maintenant dans la vie politique française, vous êtes des exemples. Et c'était pour vous féliciter et pour vous souhaiter bonne chance également. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère. Enfin, excusez-moi, il y a rien d'exceptionnel dans ma démarche. Maintenant, après, c'est un tout, c'est un investissement et c'est le goût de la chose publique et de servir tout le monde. Bah écoutez, merci encore Armen Papazian, candidat à Livry-Gargan, comme bien d'autres candidats. Et donc justement, nous avons en ligne Anouche Agopian, qui est candidate sur la liste de Éric Piolle à Grenoble. Anouche Agopian, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous aussi, même question qu'Armen Papazian. Quels sont les enjeux de cette campagne dans votre ville? Ah ben nous, les enjeux à Grenoble, ils sont multiples, vraiment multiples. La première chose, bien entendu, c'est de faire en sorte que la gauche gagne encore une fois sur Grenoble, parce que ce que nous avons en face, c'est un ancien maire, Alain Carignon, donc un ancien maire issu des rangs des Républicains, et du RPR d'ailleurs à l'époque, qui a été un maire corrompu, qui a fait en sorte de vendre les eaux de Grenoble, pour faire très très court, et qui a endetté la ville d'une manière colossale. Plus de 30 ans après, on est encore en train de payer d'ailleurs les Grenoblois ce qu'il a fait. Donc en fait voilà, c'est une action multiple que d'être sur le terrain. Là, je suis un petit peu essoufflée, excusez-moi, j'étais en train de tracter sur les marchés. Donc c'est un peu le grand enjeu de cette campagne actuelle sur Grenoble. Alors j'ai Jules Boyadjan, qui est le président du CDSA, qui est sur le plateau et qui voulait s'adresser à vous. Bonjour. Tout d'abord, moi, je voulais vous témoigner de mon soutien personnel et puis au titre du comité de défense de la cause arménienne, à vous et puis à la liste de monsieur Piolle. Je voulais également vous interroger sur la démarche de rassemblement qui est la vôtre. Vous êtes présidente de la Maison de la culture arménienne de l'Isère et du Dauphiné. Initialement, vous n'étiez pas avec monsieur Piolle, donc vous vous êtes inscrit dans une démarche de rassemblement. Pour vous, c'est important que cette sensibilité, celle que vous représentez, puisse trouver un écho dans la stratégie et dans la démarche de rassemblement d'Éric Piolle? Bien sûr, complètement. C'est vraiment l'essence même de notre. Nous sommes cinq issus des rangs du Parti socialiste et apparentés qui sommes sur la liste d'Éric Piolle. Alors, je vais pas vous parler de la manière dont Olivier Noblecourt, donc qui est celui que porte le PS français à Grenoble, a fait pour devenir la tête de liste de la liste soutenue par le PS. Mais ça a été vraiment douloureux, ça a été vraiment très 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 sombre dans la façon de faire, dans les manières de faire. Nous avions, nous, une candidate qui était Marie-Josée Sala, qui a toujours été, toujours porté les couleurs du Parti Socialiste pendant le dernier mandat, hein, qui vient de s'écouler à la ville de Grenoble, qui était aussi élue métropolitaine, donc qui est toujours restée sur le terrain. Et on ne sait d'où, du diable Vauvert sans doute, ce personnage, Olivier Noblecourt, qui était alors
qui bossait pour Macron, hein, clairement, et qui est venu hacker complètement la campagne grenobloise et rajouter un tout petit peu d'obscur encore, s'il fallait encore en rajouter, dans cette campagne. Donc nous, on a fait le choix, juste pour terminer, en tant que socialiste, de sortir de cette façon de faire et de nous allier au maire sortant, Éric Piolle, pour que la voix du Parti Socialiste soit encore probante sur Grenoble. Voilà. Anoush Agopian, merci encore. Je crois que vous n'êtes pas la seule candidate sur l'Isère et sur la métropolitaine de Grenoble. En tant qu'arménienne ? Oui, en tant qu'arménienne. Non, nous avons Anaïd Faye-Mardi-Rossian, qui est aussi qui s'est présentée sur une liste sur sa ville, Saint-Martin-le-Vinou. Également, nous avons à Saint-Martin-d'Air, il me semble. À Saint-Martin-d'Air, il y a Bédi Curadian, je crois, qui est aussi sur une liste. Voilà, vous me prenez un petit peu de cours. De mémoire, je ne sais plus exactement. Mais ça veut dire que les Français d'origine arménienne s'engagent dans la vie politique et s'engagent au service de leurs concitoyens. De plus en plus, oui. On a enfin compris, j'ai envie de dire, et que la voix de la communauté arménienne française est importante oui. Au niveau municipal. Et que, justement, pour continuer toutes les actions que nous menons depuis déjà des années et des années, effectivement, la présence des Arméniens, des Français d'origine arménienne sur les listes sont de plus en plus visibles et reconnues. Donc c'est un vrai acte très, très important à l'heure actuelle. Quoi. Anoush Agopian, s'il vous plaît, parce qu'on a Valérie Boyer en ligne, je suis désolé de vous couper. Et elle a dû s'arrêter sur le bord de la route pour nous prendre. Donc on en reparlera, bien entendu, et vous avez tout notre soutien dans cette campagne. Valérie Boyer, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de là-dessus. Oui. Vous voyez que les candidats sont impliqués et sont motivés. Vous aussi, vous avez obtenu le soutien du CDCA et d'autres organisations arméniennes dans cette campagne électorale. Quelle a été votre réaction à ce soutien? Je les remercie parce que vous savez que moi, je me présente à Marseille, dans le 11e et 12e arrondissement de Marseille, avec Julien Ravier, qui est le maire sortant, et que nous soutenons de toutes nos forces Martine Vassal. Pourquoi nous soutenons Martine Vassal? Parce que nous sommes extrêmement clairs dans nos engagements. Alors, moi, je n'aime pas dire la communauté arménienne, mais vis-à-vis des Français d'origine arménienne, mais surtout vis-à-vis des Français, quelles que soient leurs origines, qui sont épris de justice et de liberté. Et à l'heure où Erdogan multiplie les gestes d'agression, voire même des gestes de guerre, en envoyant des êtres humains, des migrants, pas des réfugiés, comme des bombes humaines, parce que c'est ce qu'il fait aux frontières grecques et turques, à l'heure où il masse justement les réfugiés syriens pour repeupler les provinces du Kurdistan qu'il a nettoyé sur le plan ethnique, ben je pense qu'il faut être clair dans ses convictions. Et cette clarté, eh bien, avec mes amis Martine Vassal et mes amis républicains, à Marseille, nous la portons. Et c'est ce que je voudrais dire à vos auditeurs. Parce qu'à Marseille, en fait, nous avons un double danger. Celui de l'extrême gauche, qui est porté par le printemps marseillais, qui sous le doux nom de printemps marseillais cache plutôt l'hiver de Staline, puisque c'est la réunion des communistes, des insoumis, des collectifs, de l'ultra-gauche, et de toutes les personnes qui prônent le déclinisme, etc., et qui ne sont pas du tout d'accord d'ailleurs avec toutes les thèses sur la pénalisation du négationnisme ou ce genre de choses. Et puis nous avons aussi le Rassemblement National, l'autre parti extrême qui n'est pas clair sur son engagement vis-à-vis de l'égalité, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la reconnaissance, puisque je me permets juste de rappeler qu'en 2016, quand le Sénat avait proposé un amendement sur la loi égalité-citoyenneté, via la pénalisation du négationnisme du génocide arménien, eh bien le candidat à la mairie de Marseille, M. Stéphane Ravier, s'est abstenu. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être clair dans ses engagements, et c'est cette clarté qu'avec Martine Vassal nous portons. Alors, Sacha Vété, qui est le président du Nulserunt, l'organisation de jeunesse, avait un petit message à vous faire passer.
Je vous remercie. Bonjour Madame la députée. Bonjour Monsieur. On connaît également vos engagements pour l'Artsar, pour la République du Haut-Karabakh. Et on sait que vous étiez justement en Artsar en fin d'année 2019. En septembre 2019. Septembre 2019, effectivement. Oui, pour la cinquième fois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre engagement pour l'Artsar et de ce voyage? Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était un magnifique voyage, bien évidemment, mais c'était surtout un voyage de soutien et de témoignage, parce que aujourd'hui, on sait que c'est tous les jours que l'Azerbaïdjan bafoue toutes les règles internationales, et moi, ce que je voudrais, c'est que Emmanuel Macron et ses candidats s'engage très clairement et fasse en sorte qu'il cesse de martyriser les maires qui signent des chartes d'amitié, parce que l'amitié, ça ne mérite pas qu'on annule des chartes, premièrement. Deuxièmement, je voudrais que La République En Marche, à travers le président de la République Emmanuel Macron et les candidats d'Emmanuel Macron aux élections municipales, et notamment à Marseille par exemple, soient extrêmement clairs sur les engagements vis-à-vis de l'Artsakh, en l'occurrence que l'on puisse signer des chartes d'amitié, que l'on puisse se rapprocher de ce pays, bien évidemment, qui est menacé par ses voisins belliqueux. Mais surtout qu'on apporte son soutien, parce que ce n'est pas possible de laisser cette population dans le dénuement et l'isolement. Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire en me rendant une nouvelle fois en Artsakh, et je suis heureuse de constater que Martine Vassal s'est engagée, à l'instar de ce qu'a fait Laurent Wauquiez, à faire en sorte que, maire de Marseille, eh bien, elle se rapproche de l'Artsakh, et j'espère que nous pourrons aller toutes les deux en Artsakh. En tout cas, c'est le souhait que je formule, parce que on peut pas laisser ce pays, on peut pas laisser cette zone du monde dans l'ignorance et l'indifférence de la communauté internationale. Et je pense que Emmanuel Macron doit aller plus loin. Vous savez, la journée du 24 avril comme journée nationale, ça peut pas être pour solde de tout compte. À un moment donné, je crois qu'il faut avoir le courage de ses engagements. Et à l'heure où justement où le président Erdogan multiplie les gestes belliqueux et multiplie les gestes d'inhumanité vis-à-vis des pays de l'Union européenne, eh bien, je pense que l'Union européenne, la France et la ville de Marseille doivent montrer l'exemple et se rapprocher de ce peuple qui souffre. Alors, Valérie Boyer, nous avons en ligne quelqu'un qui est assez proche. Je pensais que nous avions Guy Tessier également en ligne, mais on me dit que... Il doit être dans des manifestations à Marseille pour exactement soutenir Martine Vassal, comme je le fais moi-même. Du cercle d'amitié. Oui, tout à fait. Donc on va l'avoir au téléphone tout à l'heure également. Moi, j'en suis membre, je ne suis pas la présidente. Comment jugez-vous sur Marseille l'engagement public et l'engagement dans la vie locale des Français d'origine arménienne? Oh ben, c'est un engagement très fort, mais je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas se tromper d'amis. Parce que effectivement, moi j'allais dire, peu importe les origines, ce qui compte, c'est vraiment ce que l'on fait pour la reconnaissance de la pénalisation, et notamment pour le Haut-Karabakh aujourd'hui, pour l'Artsakh, parce que c'est l'actualité du jour. Et effectivement, s'occuper de la mémoire, s'occuper des personnes qui ont souffert, s'occuper des génocides, c'est aussi s'occuper de l'actualité. Parce que malheureusement, l'histoire se répète, et on a vu avec la guerre en Syrie que l'histoire se répétait, et on a vu avec les déclarations belliqueuses d'Erdogan qu'il veut recommencer, non seulement qu'il nie l'existence du génocide de 1915, aussi bien celui des Arméniens, mais celui des Grecs pontiques, des Syriaques et de tous les chrétiens en 1915, mais qu'aujourd'hui il veut recommencer en attaquant les Grecs. Donc, et en occupant toujours dans l'indifférence internationale depuis 1974 un pays de l'Union européenne, à savoir Chypre. Donc on est vraiment dans l'actualité, j'allais dire brûlante, presque sanglante, et qu'aujourd'hui, quand on est engagé dans la vie publique, eh bien il ne faut pas se tromper d'amis. Et aujourd'hui, les amis de la liberté, les amis de la justice, les amis de la reconnaissance du génocide de 1915, les amis qui souhaitent la pénalisation du négationnisme, les amis du Haut-Karabakh, eh ben, ils se retrouvent sur les listes de Martine Vassal. Alors, justement, j'ai Jules Boyadjan, qui est le président du CSA, qui a un petit message, qui a pris position également. Oui. Qui voulait vous adresser un petit message. Oui, bonjour Madame Boyer. Il y a quelques semaines, bonjour, nous étions déjà à cette antenne et je voulais, et je vous témoignais notre soutien. Moi, je voudrais
titre très personnel, exprimer une forme de malaise quand je vois certaines personnes se revendiquant de la cause arménienne qui s'investissent contre des candidatures évidentes au regard de l'activité qui a été la leur en faveur de la cause arménienne. Et moi, ce que je veux dire, c'est que dès le premier tour, sans ambiguïté, sans nuance, sans dispersion, il faut notamment dans le 11e et 12e arrondissement de Marseille, mais évidemment pas seulement, mais je pense particulièrement au 11e et 12e arrondissement de Marseille, venir soutenir la liste Boyer-Ravier. Vous avez le soutien évidemment du comité de défense de la cause arménienne, de la FRATH Naktutsun, de Hamas Kain, de l'ensemble des organisations qui sont sur ce terrain, et je voulais insister sur ce point. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je me permettrai aussi d'insister sur un autre point qui me semble absolument dramatique et qui se passe dans l'indifférence médiatique absolue. C'est que nos listes, les listes pour les municipales, sont parfois investies de négationnistes, de personnes qui viennent du parti d'Erdogan aussi. Et ça, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, moi je vois que par exemple, sur les listes à Marseille, de certains partis politiques, eh bien des personnes, je parle pas de leurs origines turques ou pas, moi je ne m'intéresse pas aux origines, ce qui compte, c'est la cause que nous défendons, quelles que soient nos origines, parce que nous sommes tous français et nous appartenons à une seule communauté, la communauté nationale française. C'est ça qui compte. Mais il faut aussi avoir le courage de ses opinions. Et avoir sur ces listes des personnes qui sont proches de Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui, avoir sur ces listes des personnes qui sont négationnistes, eh bien ce n'est pas possible. En tout cas, ça ne correspond pas à mes convictions. Et je vous remercie du fond du cœur de votre soutien, parce que c'est le soutien pour une cause juste, c'est le soutien pour la liberté, c'est le soutien pour la justice. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Et j'allais dire, c'est le soutien aussi pour les dangers qui nous menacent aujourd'hui. Et aujourd'hui, le danger qui nous menace, eh bien malheureusement, il se trouve à la frontière gréco-turque. Et le danger qui menace aujourd'hui les Arméniens, eh bien c'est celui de l'Azerbaïdjan et de son ami la Turquie au Haut-Karabakh. Et cette cause ne peut pas mériter de nuance. Elle doit être absolument défendue de toutes nos forces. Eh ben, Madame Boyer, merci encore. Nous vous rendons à votre campagne qui est très active. Merci. Et donc, effectivement, le soutien à Martine Vassal mérite que nous soyons extrêmement actifs. Alors, nous avons également un autre ami de la cause arménienne qui est Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, au téléphone. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez obtenu le soutien d'organisations comme le CDCA et d'autres organisations comme la FRATH Naktutsun sur Alfortville. Quelle est votre réaction par rapport à tous ces soutiens? D'abord, je les reçois avec beaucoup de fierté et cela correspond à une forte relation qui existe entre la municipalité d'Alfortville et nos amis de la FRA depuis maintenant des décennies et des décennies. Je crois que nous avons porté ensemble de beaux projets pour la commune, pour les habitants d'Alfortville et pas seulement pour les habitants d'Alfortville d'origine arménienne ou les Arméniens qui ont souhaité venir vivre dans notre belle commune, mais aussi pu porter au niveau national des combats que chacun désormais connaît bien, évidemment, sur le génocide des Arméniens, sur le Artsar, hein, nous avons une charte d'amitié avec Perzor. Donc j'accueille ce soutien avec beaucoup de fierté et en même temps ça me donne une forme de responsabilité si je suis élu demain maire d'Alfortville pour les 6 prochaines années. Comment justement on a eu Laurence Fautra pour Décines, on a eu Valérie Boyer pour Marseille, etc. Mais tout le monde s'appelle la petite Arménie. Alfortville, c'est aussi la petite Arménie. Mais comment jugez-vous sur votre commune l'engagement politique des Français d'origine arménienne, non pas en tant qu'Arménien, mais dans la vie locale, sur tous les domaines de cette vie locale? Bien sûr. Vous savez, moi, lorsque j'ai été élu maire d'Alfortville en 2012. J'ai commencé à expliquer aux habitants d'Alfortville, à tous les habitants d'Alfortville, que notre commune était une jeune commune et qui s'est construite sur des faubourgs et des marécages, notamment dans le sud de la ville, parce que nous avons accueilli, il y a près d'un siècle, des familles arméniennes qui fuyaient la Tatourque et les exactions, malheureusement, que nous avons décriées par la suite sur le plan international. Et force est de dire que la ville est lié à l'histoire des Arméniens d'Alfortville. Donc l'engagement politique des Alfortvillais d'origine arménienne dans la ville, est quelque chose de presque naturel par rapport à ce que je viens de vous décrire sur la manière
notre commune s'est développée, a grandi. Aujourd'hui, lorsque l'on traverse les rues de notre belle cité, on voit bien que l'empreinte est forte, la culture arménienne, mais en même temps la culture alfambilaise, ce sont des cultures totalement liées. Et aujourd'hui, nos amis d'origine arménienne engagés dans la vie politique, moi je pense à Richard Hanagnon, qui a été un grand adjoint au maire, qui a porté les questions d'urbanisme et qui a participé au développement de notre commune. Voilà, ce sont des énergies qui se sont fondues dans la vie de la cité. Et est-ce que vous comprenez justement qu'au-delà de ces questions de propreté, de sécurité, d'environnement, de développement économique, développement des services urbains, etc., est-ce que vous comprenez aussi que la communauté arménienne puisse être vigilante? Non, je ne parle pas de votre liste, celle-ci est parfaitement clean, mais qu'elle soit vigilante à ce qu'il n'y ait pas de candidats négationnistes parmi les candidats à cette élection municipale? C'est tout à fait naturel. Malheureusement, vous savez, ces élections municipales, je le dis par ailleurs, vont être pour quelques endroits un petit peu baroques. Pourquoi baroques? Parce que vous allez avoir dans des listes des candidats négationnistes, vous venez de le rappeler, mais vous allez aussi avoir des candidats salafistes ou des voyous condamnés par la justice. Malheureusement, depuis quelques années, la vie démocratique en général est tombée de quelques étages en dessous. C'est à nous, les responsables politiques qui seront demain les élus locaux après ces élections municipales, de relever le drapeau de ce que doit être la vraie politique, parce que c'est un engagement qu'on fait pour nos habitants, on ne fait pas pour soi. C'est parce qu'on a envie de donner du plus dans la vie quotidienne pour nos familles, pour nos enfants, pour nos arrière-grands-parents. Et de cela, ça ne peut pas aller dans le sens de candidatures qui ne portent pas les valeurs de la République. En l'occurrence, oui, il y a des listes municipales en France vis-à-vis de la cause arménienne où des candidats, des têtes de liste ont fait le choix de mettre des négationnistes, mais parce qu'ils se font malheureusement tordre le bras par d'autres lobbies. Écoutez, merci encore Lucas Rounas. Donc vous avez tout notre soutien pour cette campagne pour Alfortville. J'ai essayé d'être à la hauteur. Eh bien écoutez, nous le savons que vous le saurez. Merci beaucoup. Nous avons en ligne également Guy Tessier, qui est également candidat à Marseille et qui est le président du Cercle d'amitié France-Alsace. Guy Tessier, bonjour. Oui, bonjour. Nous venons d'avoir il y a 5 minutes Valérie Boyer qui nous décrivait un peu le panorama de la campagne pour Marseille. Moi, je voulais vous interroger peut-être plus en tant que président du groupe d'amitié France-Alsace. Et vous avez reçu également le soutien d'organisations arméniennes. Comment cette question de l'Alsar peut émerger dans cette campagne, même si on est au niveau de municipalité et non pas au niveau national? Je crois qu'il est toujours bon de témoigner de ses convictions. Et donc, chaque fois que cela est possible, moi je parle, nous parlons, puisque je crois qu'il est important de dire que j'ai pris sur mes listes et en position en plus éligible au conseil municipal, une jeune femme qui répond au nom d'Aurore Brunat, qui est bien connue dans la vie quotidienne de nos amis français d'origine arménienne, qui a été la présidente du CCAS, qui a écrit des livres, qui fait des conférences sur l'histoire de l'Arménie, sur l'histoire des pogroms, bref, sur le génocide d'une manière générale, et qui évidemment est tout à fait à mes côtés dans le combat que je mène pour l'Artsakh. Voilà, donc moi, dans le cadre de la campagne, j'ai été invité dans le secteur d'ailleurs de Valérie Boignier à venir parler aux côtés de Valérie et de Martine Vassal, et justement j'ai témoigné aussi de l'engagement que j'ai pris pour l'Artsakh. Voilà, tout est bon pour en parler. Et la semaine dernière, j'étais encore à l'Assemblée nationale où je faisais de nouveaux adhérents pour la cause de l'Artsakh en préparation d'un futur voyage que nous allons faire, je pense, dans le courant du mois de juin.
Guy Tessier, j'ai Sacha Vété, qui est le président de la FR Anolcerunt sur mon plateau, qui est d'origine de marseillaise, qui avait un petit message à vous faire passer. Bonjour, monsieur Tessier. Bonjour, monsieur Tessier. Bonjour. Je tenais tout d'abord à féliciter ici Aurore Bruna, qui, comme vous l'avez dit, était présidente du CCF Sud et qui porte haut nos valeurs et tout à fait. Et qui s'engage dans la vie politique française. Donc, je tenais à la féliciter. Et je voulais aussi vous demander comment est-ce qu'on justement on sensibilise à l'Assemblée nationale, au Parlement, les autres parlementaires à la cause de l'Artsakh. Comment est-ce qu'on les sensibilise à cette cause-là? Bah, écoutez, de la manière la plus simple, c'est-à-dire en parlant. Car pour être tout à fait honnête, le problème de l'Artsakh fait partie de ces conflits gelés, mais également oubliés. Et donc déjà le fait d'en parler, comme nous le faisons à cet instant, permet de rallumer la flamme, ou de la maintenir en tout cas, pour que nous trouvions une solution pacifique à cette sortie de crise. Voilà. Et donc le fait que nous soyons déjà un noyau dur, je dirais, de parlementaires, de sénateurs, de maires, de communes, le président du conseil de la région Auvergne s'est également engagé, bref, nous progressons lentement mais sûrement. Et donc ben moi voilà, quand je pars en Artsakh, je propose à mes collègues de venir avec nous, ceux qui peuvent le font, ceux qui peuvent pas y réfléchissent, et puis finalement quelquefois ben comme ça a été le cas la semaine passée, me disent mais moi je suis d'accord, je veux adhérer, etc. Voilà, c'est aussi en organisant des réunions. Nous allons organiser une réunion à l'Assemblée nationale, probablement après les élections, après le référendum qui aura lieu en Arménie et les élections qui auront lieu en Artsakh dans les semaines, presque les jours qui viennent, dans 3 semaines très précisément. Voilà, donc je dirais que toutes les occasions sont bonnes. Guy Tessier, je voudrais vous poser une question, mais je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Non, mais on verra bien. Vous êtes un défenseur. Je sais que vous êtes un défenseur inconditionnel de l'Artsakh là-dessus. Mais comment vous jugez les liens que Rachida Dati, qui est également candidate à Paris, entretient avec l'Azerbaïdjan, et alors que vous êtes, enfin, on peut le dire, vous êtes membre du même parti, du même mouvement. Ça nous met quand même mal à l'aise sur cette candidature à Paris. Je l'entends et je comprends parfaitement. Mais dans un parti comme l'UMP, vous comprenez bien que tout le monde ne marche pas au pas ni à l'unisson des mêmes convictions. Et je dois vous dire que celui qui vous parle a eu beaucoup à lutter pour la reconnaissance du génocide dans fait, son oui. propre parti. Vous voyez, voilà. Et des plus hautes personnalités de notre République ont beaucoup traîné les pieds. Je vous rappelle aussi que j'ai été le premier à Marseille à faire reconnaître dans ma mairie d'arrondissement le génocide, bien avant la ville de Marseille. Voilà. Donc, même des causes les plus nobles peuvent quelquefois être bafouées, mais les idées justes font leur chemin. Et je pense que les liens que Rachida Dati peut avoir, notamment avec le Qatar et avec l'Azerbaïdjan, peut-être qu'elle évoluera. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Moi, je suis candidat à Marseille et pour Marseille, et c'est pas ici, en tout cas, que ce problème se pose à l'heure d'aujourd'hui. Nous avions tout à l'heure François Pupponi et puis nous avions eu également Laurence Fautra qui sont membres du cercle d'amitié à vos tout côtés. À fait, tout à fait. Il mettait en garde effectivement sur l'apparition dans ces élections municipales de listes communautaristes, de listes. Valérie Boyer nous en parlait également sur le danger sur certains secteurs de Marseille. Est-ce que vous sentez effectivement et vous demandez à ce qu'il puisse y avoir des mesures qui soient prises contre ces listes communautaristes? Bien évidemment, c'est le contraire de la République. Nous ne sommes pas la France des tribus. La France est une nation, une et indivisible, et cette tendance communautariste est exécrable et elle doit être combattue, je dirais même qu'elle doit être interdite. Voilà, c'est impensable que nous ayons des listes communautaristes
dans notre République. Voilà, c'est impensable. Et donc, à partir du moment où ça va contre l'unité nationale, cela doit être interdit. C'est aussi simple que ça. Eh bien, écoutez, Monsieur Tessier, merci encore et de ce soutien à l'Alsace, et merci encore et bonne campagne municipale à Marseille. Merci à vous. Merci. Sacha Vété, nous arrivons presque au terme de cette émission. Je voulais rappeler que nous devions avoir Nicolas D'Aragon, le maire de Valence, et ainsi que Kevol Kepenekian, qui est candidat au municipal de Lyon. Ils nous ont fait passer des messages comme quoi ils étaient dans des réunions publiques où il leur était difficile de sortir, et nous essaierons de les avoir dans le courant de la semaine dans le cadre de nos journaux. Vous comptez, vous êtes mobilisé, les jeunes arméniens, eux aussi, sont mobilisés pour ces campagnes municipales. Tout à fait, eux aussi sont mobilisés tout d'abord dans la vie politique française et dans ces élections municipales, mais également dans la lutte contre le négationnisme. C'est le cas à Saint-Priest avec Isette Doganel, c'est le cas également à Valence, où sur la liste d'un grand ami de la cause arménienne, Nicolas D'Aragon, on trouve un négationniste en 35e position, il me semble. Juste un petit message pour monsieur le maire, pour monsieur D'Aragon, s'il nous écoute. Nous ne demandons qu'à nous tromper. Nous demandons simplement une lettre de monsieur Yildirim reconnaissant le génocide des Arméniens publiquement. Cela ne l'engage pas à beaucoup de choses, puisque ce génocide des Arméniens a été reconnu officiellement par la France. Nous ne demandons qu'à nous tromper, mais encore une fois, nous connaissons votre engagement pour la cause arménienne. Voilà. Également pour la liste EELV-LFI à Valence, sur laquelle il y a le coprésident du COGEP Drôme, qui fait des posts encore aujourd'hui dénonçant qu'est-ce que le COGEP ? Parce que pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément. Le COGEP, c'est une organisation qui est à la solde du parti d'Erdogan et qui répand sur le territoire français l'idéologie d'Erdogan, le négationnisme, l'amour de la Turquie d'Erdogan, et qui est donc très dangereux pour notre démocratie. Très bien. Est-ce que vous pensez que, justement, on a parlé de Rachida Dati à Paris, on a parlé de Isette Doganel à Saint-Priest, comment ça va se traduire? Est-ce qu'il faut vraiment faire appel à un vote de rejet, de voter pour les listes qui les affrontent? Enfin, ce combat, il se mène à la fois dans les urnes, mais aussi sur le terrain? Tout à fait. Il faut combiner donc tout d'abord le travail sur le terrain, et même avant le travail sur le terrain, je dirais un travail d'échange avec ces personnes-là. Et le travail de terrain se fait au moment où on se rend compte que ces personnes sont fermées à la discussion ou que ces personnes ne sont pas prêtes à discuter avec nous. Ensuite, effectivement, c'est un travail de terrain, du tractage. Il faut s'insurger contre ces personnes qui soutiennent le négationnisme et qui donc participent à ce mensonge. Et ensuite, on va effectivement appeler, si ce n'est pas réglé d'ici la semaine prochaine, à voter contre ces candidats-là. Alors, vous me disiez avant l'émission que M. Doganel, qui est candidat à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, mais lui-même, il est originaire de Bron. Tout à fait. Qui est une autre ville à côté de Saint-Priest et à côté de Décines. Mmh. Et il se trouve que sur Bron... On a vu émerger une liste, effectivement, qui s'appelle l'UBI, l'Union des Brondillans indépendants, qui est composé la quasi-totalité de Français d'origine turque, ce qu'on ne dénonce pas. Mais encore une fois, on ne demande qu'une lettre publique ou un post ou une publication sur les réseaux sociaux reconnaissant le génocide des Arméniens. Qui elle-même émane de cette COGEP, émane de ces mouvements pro-AKP qui se portent quasiment donc sur une liste en totalité composée de citoyens d'origine turque pour essayer de prendre cette mairie de Bron. Tout à fait. C'est un subterfuge, si je peux le dire. Les précédentes élections, le COGEP se présentait sous des listes sous le nom de PEJ, Parti Égalité et Justice, il me semble. Et ils ont trouvé un subterfuge pour ne pas passer pour une liste communautariste, et donc ils se sont appelés l'Union des Brondillans indépendants. Eh bien, écoutez, merci encore. Je voudrais remercier tous nos intervenants, les deux coprésidents du CCAF, Mourad Papazian et Arat Oranian.
Jules Boyadjan, le président du CDSA, qui était présent sur ce plateau, ainsi que Sacha Vété, le président du Nord-Sélund. Je rappelle que nous avons eu en ligne durant cette matinée François Pouponi, Luc Carvounas, Laurence Fautra, Guy Tessier. Nous avons eu également des candidats, et pas tous. Nous ne pouvions pas avoir aujourd'hui tous les candidats qui se présentent aux élections. Nous aurions pu avoir Anouch Torahnian qui se présente dans le 15e arrondissement de Paris. Nous aurions pu avoir plein d'autres candidats dans la région parisienne, à Alfortville avec Galo Khatchikian là-dessus. Nous avons eu également comme exemple Armen Papazian qui se présente à Livry-Gargan, qui est tête de liste, Anouch Agopian qui se présente à Grenoble. Nous avons eu également, nous voulions avoir Kevork Kepenekian, mais il est coincé dans une réunion publique et nous essaierons de l'avoir dans nos journaux de la semaine prochaine. Et puis nous avons eu Valérie Boyer qui était également présente sur ce plateau. J'espère que nous avons pu faire un tour d'horizon des enjeux de cette campagne municipale. Nous en appelons vraiment au vote citoyen. Attendez. On me dit que nous avons Kevork Kepenekian. Mon cher Kevork. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Kevork. Comment allez-vous? Ça va bien. On vous sort d'une réunion publique. J'étais dans une réunion avec tout le monde associatif. Voilà, on ne maîtrise pas le temps, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est très bien de vous avoir quand même. Quels sont les enjeux de cette campagne électorale municipale pour la ville de Lyon avec la liste Respiration que vous portez? Les enjeux, c'est d'abord que c'est une élection inédite, puisque vous savez qu'on a constitué une métropole qui est une nouvelle forme qui n'existe dans aucune autre ville, qui nécessite pour cette fois un vote à la fois pour un maire de Lyon et à la fois pour un président de la métropole. Que la ville est constituée de 9 arrondissements et que, comme à Paris, que les élections, le maire sera issu des conseillers municipaux qui seront nommés ou qui auront gagné arrondissement par arrondissement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est une présence forte du mouvement écologiste, on va dire, une présence de la droite qui a retrouvé de la vigueur et une liste qui est le prolongement de la liste de Gérard Collomb, qui est aujourd'hui là. Je suis évidemment considéré comme un dissident de En Marche, alors que je n'ai pas demandé l'investiture et que, au contraire, suivant une bonne tradition lyonnaise, je travaille au rassemblement de toutes les forces possibles. Et puis que nous voulons aujourd'hui tourner une page, parce que plus jamais le maire de Lyon ne sera en même temps le président de la métropole, et que ça indique un nouveau mode de gouvernement de notre ville, plus proche des arrondissements, plus proche des citoyens, parce que la proximité, elle se joue dans les arrondissements. Et puis, je dirais plus fondamentalement, bien sûr, une politique environnementale, mais que j'ai abordée par le biais de la santé, parce que on ne contraindra pas les gens à changer de comportement, il faut les accompagner, il faut les convaincre. Et les questions de santé, qui sont l'aboutissement de toutes les questions d'environnement, l'air, l'eau, l'alimentation, le vieillissement, le social, tout cela aboutit aujourd'hui à des questions de santé et que, comme les Français sont préoccupés de cela, je fais le pari qu'on pourra mieux leur expliquer ce qu'il faut faire pour leur santé, celle de leurs enfants et celle de leurs petits-enfants. Voilà cette manière de penser et puis plus fondamentalement que cette ville qui est prospère grâce au travail qui a été fait ces dernières années, j'y ai participé pendant ces deux derniers mandats, et bien que cette prospérité, on la maintienne, on la poursuive, mais qu'elle serve pas seulement à faire quelques opérations emblématiques, mais qu'elle serve aussi à tous les Lyonnais, bien sûr, quel que soit leur état, leur statut, mais en ayant une obsession de prendre en charge, de prendre soin, en particulier des populations les plus fragiles. On ne peut plus, dans une grande capitale européenne, dans une grande ville du monde, garder une séparation entre ceux qui ont les moyens de vivre dans la ville et ceux qui n'en ont pas les moyens. Voilà en quelques mots les enjeux. Alors, les sondages qui vont, qui viennent, qui sont pour certains assez suspects, j'allais dire peu importe, la question n'est pas de gagner les sondages, elle est de gagner la ville, elle est de gagner les élections qui auront lieu le 15 et 22 mars. Et nous sommes
Je ne suis pas dans une aventure personnelle. J'ai une équipe de 9 maires d'arrondissement, tous très unis. C'est un vrai collectif. C'est un vrai bonheur de travailler avec mon équipe que nous avons appelée Respiration. Georges Kepenekian, vous avez été maire de Lyon et il ne faut pas l'oublier parce que pendant 18 mois, vous avez porté cette ville, vous l'avez fait changer également, vous y avez apporté votre patte. Quel regard portent les Lyonnais sur votre parcours, sur cet engagement qui est le vôtre depuis longtemps? Je ne parle pas de l'engagement arménien, mais je parle de l'engagement en tant que médecin, en tant qu'élu, à la culture, à l'international. Vous avez joué un rôle important pour cette ville. Quel est le regard qu'ils portent sur justement sur cette candidature? Eh bien, écoutez, pour vous imaginer que depuis l'automne, je fais énormément de voir des gens, au plus près des gens. Évidemment, les marchés, vous voyez, j'étais dans une grande réunion d'association. Donc, je crois que ceux qui me rencontrent se souviennent et sont assez convaincus, que ce soit de ma vie professionnelle en tant que médecin chirurgien, que ce soit de mes engagements. Vous savez bien que personne ne peut oublier quels ont été mes engagements sur les droits de l'homme et puis sur cette bataille fondamentale des droits culturels. Donc tout ça, c'est bien sûr quelque chose de très positif. Personne ne m'a insulté dans la rue, je peux vous l'assurer. Après, la notoriété de Gérard Collomb est la carte principale qu'il joue. Il est, je vous rappelle, il est conseiller à la ville depuis 77. Il n'a fait que ça pendant toutes ces années. Il a été ministre, ça marque dans la presse, et cette notoriété pour lui est sa carte principale. Je vous assure que les projets de Gérard Collomb sont extrêmement pauvres. Il gagne, il pense qu'il va gagner juste en présentant son bilan. Donc aujourd'hui, ce travail, eh bien, il faut le faire, il faut faire confiance aux Lyonnaises et aux Lyonnais, et puis le moment venu, respecter en tout cas les choix qu'ils auront faits. Parce que probablement personne à Lyon n'est en situation de gagner seul. C'est ça la leçon de ce qui se présente à nous aujourd'hui. Donc la question des alliances avec qui nous travaillerons plutôt que pas, voilà, c'est des questions qui vont se poser dans la nuit du 15 mars. C'est comment nous aurons à essayer de construire une nouvelle majorité, une majorité probablement de projets et pas seulement de postes. Georges Kepenekian, est-ce que je peux vous poser une question sur un de vos candidats, un de vos adversaires, en l'occurrence Gérard Collomb, et sur le soutien qu'il apporte à Izette Doganel dans la banlieue de Lyon à Saint-Priest, qui est un candidat qui, pour le moins, a des positions troubles sur la question du génocide arménien? Oui, quand j'ai découvert ça, j'ai été franchement, on va pas dire atterré, mais quand même un peu. Je pense que ça témoigne quand même des hésitations fondamentales de Gérard sur le plan idéologique. Sincèrement, je pense qu'il y a encore pas si longtemps que ça, jamais il aurait fait une chose pareille. D'abord, il l'aurait vérifié et il se serait assuré d'être en cohérence avec lui-même. Je pense que c'est pour moi un signal de sa déshérence aujourd'hui. Je pense qu'il a un peu perdu ses boussoles, qui ont fait d'ailleurs que pendant des années, j'étais à ses côtés et très fidèle à ses côtés. Vous savez bien que pour moi, le contrat moral qui consistait à lui rendre la place était quelque chose de fondamental. Eh bien, je crois qu'il a... Il a un peu perdu ses boussoles aujourd'hui, et ce point-là est un des points pour moi très marquants. Dernière question, Georges Kepenekian. Vous avez été président du CDCA, vous êtes un des fondateurs de France Arménie, un journal auquel je tiens particulièrement. Dans ce combat politique, est un combat dur. Est-ce que l'engagement militant qui a été le vôtre depuis de nombreuses années est utile et apporte également une forme de sérénité et de motivation? Alors, comment, bien entendu, et je ne peux que inciter toutes les nouvelles générations à s'engager. L'engagement, c'est une expérience unique dans l'existence. C'est apprendre à discuter, c'est apprendre à se confronter, c'est apprendre à même, je dirais, à polémiquer, c'est apprendre à
transformer une idée en action. Donc c'est un apprentissage formidable. Après, tout ce qu'on fait dans une vie, que ce soit ma manière de pratiquer la médecine ou que ce soit ma conception de l'économie hospitalière, sont des choses qui nourrissent. Quand vous devenez un homme politique, vous allez chercher en vous des choses que vous savez même plus que vous avez acquises. Donc c'est un travail permanent et peut-être que c'est un des points que j'ai fait valoir aujourd'hui en présentant par exemple ce que je ferai dans les 100 premiers jours. Je suis aujourd'hui le seul candidat qui s'est exprimé clairement pour dire voilà ce que je ferai dès mon installation. C'est une manière de dire que je peux être aux affaires dès l'élection éventuelle du maire de Lyon, parce que j'ai été adjoint, parce que j'ai été maire de cette ville, parce que je connais l'administration, parce que je connais l'écosystème, et que je suis sûrement aujourd'hui celui qui peut très vite enclencher des décisions. Or, un mandat, c'est très court. Et si vous ne prenez pas des vraies décisions dans les 100 premiers jours, eh bien, les messages que vous portez se disperseront, se noieront dans la lourdeur de machines administratives que je connais bien. Donc oui, je crois que tout ça a servi à me construire et à proposer aujourd'hui un projet politique que je qualifierais digne de ce nom et un projet porté par un collectif. Je le redis, je ne crois plus et qui croit encore aux aventures personnelles, quelle que soit la qualité des hommes. C'est vraiment des collectifs, des modes de concertation qu'il faut inventer, à moins de ne pas entendre ce qui se passe dans nos rues depuis déjà plus d'un an, ce qui se passe dans les rues de nombreux pays et de nombreuses grandes villes. Aujourd'hui, partout, on veut que le politique soit à l'écoute des citoyens. On ne veut plus cette notion d'élite qui déciderait le bien pour les autres. Je crois que c'est ça ma leçon aujourd'hui, celle en tout cas que j'ai appelée. Écoutez, Kevol Kepenekian, vous avez tout notre soutien dans cette campagne pour Lyon. J'ai Sacha Vété, le président du Nord Seloun, qui est présent sur ce plateau, qui se joint à moi pour vous apporter tout notre soutien, ainsi que, on l'a déjà dit, celui du CDCA et d'autres organisations arméniennes. Mais ce combat-là, il va au-delà de la cause arménienne, il va pour un Lyon bien différent. Donc, merci encore, Kevol Kepenekian. C'est un combat de conviction, en fait. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, nous allons conclure cette émission sur ces belles paroles. C'était effectivement un combat de conviction. Et la première conviction, c'est d'aller voter, c'est d'être un acteur de cette vie politique. Et donc, pour cette simple conclusion, nous appelons tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, tous les amis de la cause arménienne, et etc., à aller voter la semaine prochaine pour ces élections des 15 et 22 mars. Merci à vous et bonne semaine avec IPFM. Sur table. Une émission proposée par Hype FM.